Amis téléspectateurs SPM, bonsoir. Voilà, c'est la Lan Fritz. C'est un plaisir pour journée mercredi 5 juin 2024 pour présenter pour téléspectateurs SPM information sans mélange sur l'actualité qu'a brassé Bill, pays d'Haïti, dans l'émission pour la Grand Dossier. Bonsoir, PDG Abner. C'est un plaisir pour encore présent et vivant, sous permission de Dieu Tout-Puissant. Vous présentez pour téléspectateurs SPM information yo sans mélange sur actualité cap vireront sur territoire. Espérez dans un petit temps coûte téléspectateurs SPM a privé joindre présence sur dans l'émission comme à l'ordinaire. On dit bienvenue à super branché téléspectateurs SPM qui est toujours fidèle dans l'émission Grand Dossier. Point qui a dominé l'actualité à sous territoire national pays d'Haïti, primati avec conseil présidentiel transition, venu entente, sous parole en pile, qui a parlé de réduction ministère, environ 18 ministères, qui t'a fait package, ça ou t'a relé conseil des ministres, arrivé nouveau premier ministre, il t'a voulu réduire il y a 11, mais hier mardi, il y a on entend te joindre sous réduction, ou pral gen détail sous question, et gen de explications qui pote face à nouvelle approche ça, qui avancé par nouveau Premier ministre PM Gary Conille, et en même temps, li gen 5 postes ministériels, li va pral séparer à quiconque, c'est seulement 7 postes ministériels qui séparé, mais drôle de coïncidence. L'en fin avancé, ministère qui pral fait, qui pral fusionner yo, ou kapabwe, ti res ki rete ya, combien ministère l'opposition pour nous dire en lieu et place de l'opposition, qu'on n'y a pas gen opposition encore, c'est fusion des partis politiques autour de akòk kwòk yo, qui pral gen nan men yo, et pas oublier non? Si pa Gary Conille nan li même comme premier ministre, il est capable pas gagner qui est-ce qui habilité pour yo mais a gagne inscription tout ressemble pour poste ministériel yo si son collègue ah là du conseil là collègue va le mettre yo mettre conseil ou même si vous voulez prendre conseil va prendre conseil mais c'est collègue lui collègue présidentiel yo du conseil c'est toujours même bagaille yo ou dit collège ou essai ou dit conseil ou essai ou dans créole ou ka ou dans l'autre ou ka. Pour comprendre dans qui ça a été trouvé le jour d'hier qui c'est 5 juin 2024. Mauvaise nouvelle pour migrants qui coincés aux frontières États-Unis d'Amérique avec pays Mexique. Si n'a pas bon côté pas réagir dans changement cap fait surtout pression qui a fait dans l'administration de l'État sous possible changement dans administration PNH. Si n'a pas réagir Banque République d'Haïti, demandons tant de grâce pour Silayo qui gagne contravention avec la banque. De à tout faire examen prend Bois-Calais dans le département du pays d'Haïti, c'est tout point ça yo avec l'autre qui prend le fait essentiel information nous prend le présenter pour amis téléspectateurs SPM qui toujours fidèle dans l'émission Grand Dossier. Bon Bois-Calais enregistré dans le département NIP. Pays d'Haïti pour journée mercredi 5 juin 2024, côté yon chef de guerre accompagné yon soldat rivé intercepté par membre de la population et en même temps avec deux bras marrés peuple souverain te lapide yo. Écoutez ça. Ça c'est pour l'eau, commandant pour l'eau. Ça c'est un deuxième, à l'élevage dans des bêtises. À l'élevage, à l'élevage. Banque centrale, tout le monde connaît le nom BRH. Et Banque Centrale Haïti, à travers yon circulaire qui pote marque
115-5, ta autorize institisyon finansye yo pou se li sito, surtout institisyon finansye li menm li supervize pou bay kliyan yo e ta mande yo yon moratwa sou pre jouk rive 30 septembre 2024. Pou plus detay, koute ki sa ekzaktman moratwa la li menm, ki definisyon genyen e ki servis si la yo kite gen pre avek bank ki yo menm trouve yo nan menm sirkwi ki supervize par BRH ki avanse l fe pou yo vu ke situasyon biznis yo lamentable nan kriz post zon kap tombe kom de teritwa perdu. Koute sa. Koman yon kliyan ka jwen yon moratwa? Nan mouman difisil sa, kote kriz sosyo-politik la ap peze lou sou ekonomi peyi ya, Bank Sentral, a travè si ki lè 115-5 lan, otorize institisyon finansye yo bay kliyan ki mandel, entreprise ou swa patikilye, e ki satisfè kondisyon yo, yon moratwa sou pre yo. Moratwa sa, ki komanse depi 1er avril pou rive 30 septembre 2024, Permet kliyan ki gen pre aktif, swa pre pou biznis, pre pou konsomasyon, ou swa pre pou kay, peye entere selman e se konsa yo ka pre yon souf pandan peryode sa. Pou yon patikilye ou swa yon entreprise jwen moratwa sa, fok li respekte kondisyon sa yo. Nan fin septembre 2023, li dwe te an reg ak institisyon finansye ki bali pre ya, epi rive 31 mars 2024, kliyan gen 3 mwa depi li vin nan sityasyon li pa ka peye pre a, ou swa li gen an pil chans pou sa rive. Le sa, si li fe deman lan, kliyan ka jwen moratwa jiska 30 septembre 2024. Pendan 6 mwa moratwa, kliyan a peye selman entere yo. Sa vle di, li pa peye kob li te kon rembouse sou maman la jan pendant peryode sa. Epi, institisyon finansye ki bali pre a, pa gen dwa mande l peye ouken frè rita. Pour plus de détails sur ce qui est 115-5 ans, visitez site internet BRH là www.brh.ht. Comme on connaît déjà la police nationale là, il y a deux syndicats qui fonctionnent là-dedans. Et hier, en pile parole, tu as parlé concernant un possible remplacement de GPNH là, France LB, et pas l'autre nom qui était cité. Il y a un syndicat. Police nationale là, si n'a pas réagir. Réagir, est-ce que c'est de que rumeur ça a réagi ou du moins gen l'autre tête qui gen les prend yo capable même parler de changement en lieu et place de sa opinion publique là ta comprendre. Eh bien si n'a pas numéro 1 Lionel Lazare t'a dénoncé un secteur politique qui a fait manigance pour mettre un DG nan tèt PNH la. Lionel Lazare, policier en fonction, numéro 1, si nan pouvoir, li ta mande ak secteur politik la, pou mette institution PNH la, de kote, pa fourel nan lo partaj post, an dan l'état, epi se yo menm ankor kap manigansi, pou al mette moun ki an ba l'obedyans politik pa yo, et puis mettez PNH là dans une situation pour toujours dire PNH là li politisé. Deuxième syndicat qui dans PNH là qui c'est police nationale là lui-même il SPNI 17. On demande où observateur même a posé question. On seule institution il y a deux syndicats là-dedans pour même quoi police là. Il y a pas même a demandé si plusieurs unités chaque fait syndicat par yo ou du moins et gen même l'autre qui t'a accusé youn nan deux syndicats yo comme quoi gen youn qui là pour défendre haut état major police nationale là et gen l'autre qui là pour tacler li en dans même la police là y a posé question est-ce que politique là pas commencé en dans la police nationale à partir de deux syndicats ça yo qui passent au même longueur d'onde qui pas joue musique là sous même ton bagay yo presse. Dossier formation gouvernement n'est pas un dossier qui piti.
Et actuel PM qui arrive là, qui peut qu'on ait une installation, l'a formé cabinet ministériel li, nan tête collée, ensemble avec conseil présidentiel transition qui gagne en tête li, Edgar Leblanc, fils, comme président provisoire pour 5 mois. Les mêmes paroles qui t'a fait quoi que président conseil présidentiel là, Edgar Leblanc, fils, t'a même menacé pour le bail démission, li, vu que li ouais monsieur qui bon côté lio, comme quoi, c'est gros sabord, y a bail administration pour des finances publiques là, et lui-même n'est pas trop senti à l'aise. N'a pas rappelé que, une fois que trois, nan mitan monsieur Sayo, t'a présenté démission yo, pour une raison ou pour l'autre, conseil a tout crasé, selon menace. Qui était, selon déclaration, actuel ambassadeur américain en Haïti. En allant dans les informations, conseil et formation, cabinet ministériel. Jour qui était exactement, jour qui était 4 juin 2024, conseil présidentiel là, mélangé avec Primati, staff technique premier ministre. Dans la discussion, yo, côté premier ministre Gary Conille t'est présenté pour réduire le nombre de ministères à 11. Maintenant, l'entente qui vient joindre, M. Antonio, sur un nombre de 13 ministères et il y a l'autre qui prend en dans l'autre ministère. En même temps, il y a deux ministères qui pas prêt à porter changement, mais qui prêt à le fond à l'autre. Qui est-ce? Ministère Affaires étrangères, Finances, Justice, Planification, avec ministère intérieur, selon toute avancée qui fait et même confirmée par Younan Gobab, qui coincé col bon cabinet premier ministre Gary Conille la gué parole là la gué parole là ou bien pourtant des on tira le fait sous question hein? En même temps libéral présenté sous qui ouverture qui pral fait ouvert pour qui te fermé pral ouvert décentralisation pral fait communion pour le chef tête yo en bonne promesse en bonne parole ou a mandé si tout ça l'a dit yo pas pral fait partie yon nouvelle constitution qui t'a nan poche PM nan qui poko dévoiler même Jean Jovenel Moïse te gagné yon remaniement mini yon amendement t'a fait autour de ou bien nouvelle constitution à partir de yon référendum li pas privé avancé. Est-ce que l'application nouvelle constitution va pas commencer même avant? Avant élection pour Parlement, c'est pas lui qui va travailler sur lui. Et là, elle parlait de décentralisation à l'intérieur de constitution 1987 et constitution 87 amendée 2011 là tout. L'idée même relatée de question décentralisation, mais qui va jamais arriver faite. Est-ce que c'est forme par constitution qu'elle va l'appliquer? Ou bien le grand agenda dans la poche li, que personne ne connaît qui est-ce qui va pour l'exécuter en Haïti. Comme Haïti a plusieurs papas internationaux, c'est affiché ou pas affiché, pour ne pas dire Haïti son coup de petite, nous va connaître. Mais ça qui dit à son pure parole qui yo même yo lagué autour de staff Premier ministre Gary Conille. Ministère qui prend le fond. Dans l'autre, ou jouen, ou d'ailleurs, me connaît, ou, oh, regardez, oui. Réorganisation quelques ministères, conseil présidentiel a déjà accepté le nombre de 13. Bien finance, planification et économie. Yo même, yo pral fait yon seul ministère. C'est yon seul ministre qui pral diriger yo. L'on passe prend affaires étrangères. Culte, haïtien qui yo même ap vive à l'étranger,
pral tombe pou yon sol ministère. Al tombe nan agriculture, environnement, yo même tout. Pral tombe nan yon sol ministère. Tout sa yo pral fond. Si yo dou 13, pa dim sou comprendre ministère sport après te pou kont li. Li pral li même al fait li pral fait li pral li pa pral fait fusion ak éducation. Ou poko jam konnen. Pa mande m non plus. Sou pa pral tombe nan ministère femme. Femme yo pintade. Pa mande m non si yo pral nan ministère femme. Femme yo pintade. Et par faute que yo pintade, yo paraît prend j'ai gardé. Mesdames yo ni sa ki poko gen mari, ni sa ki gen mari déjà. Ni sa ki veuve, kase rendez-vous, jeudi kap 6 juin 2024 la, depuis le fait 10 étapes pendant matin, pour al kase rendez-vous devant Primati, pour al mande PM Gary Conille, pour le camper sous gros décision majeure si la al prend contre les femmes yo. C'est comme quoi, mesdames, yo ta suspect, y a perdu ministère femme. Ministère condition féminine, acti fi, c'est pi gros. À qui femme yo te gen nan men yo et mesdames yo pa décidé pè Julie même pou jouet allez ouais pour tout bon pa bliye si mesdames so pral fon grève et puis yo ta entendu yo pou yo décidé yo pour yo sanctionner monsieur sa yo ki chita an dan presque pa gen femme nan mitan yo ou capable di c'est yon défilé Macoclin et yo ta boudé manifestation mesdames et mesdames même ta pral ban sanction cabane. On va bien demander comment nèg yo ta pral dormi men nan fouk sans pa fè frèt. Ba yo presse, yo pa mince et yo gen lan si yo ta fè ba yon embargo cabane. Et bon pou le banou non. Même on dans les labdil, les lap fè réunion mesdames. Bon pou le banou, on dans les labdil comme stratégie. Si nous avons sanctionné garçons, surtout les gens qui sont dans la politique et que madame yo ta vle gagner ministère pa yo, ben yo capable mon petit Jean Marie. An goûte intervention yon gros bab qui autour de staff conseiller pour nous dire et cabinet qui pral formé par PM Ariel Henry, cabinet premier ministre là qui a bail quelques poussières explications sous position yo. À décision eux-mêmes pour être capable de gagner en réduction de ministère et qui agenda yo pour changer l'ordre des choses dans l'État, surtout dans la collectivité territoriale avec indépendance, finance l'État, province eux-mêmes souffrent pour lui. Écoutez ça. Pour que chef cabinet le fait pour les cyberger du tout pour constituer les loups, les fonds cabinet avec 6 ministres, estimé fait des merveilles. Il fait ODVA, il jette des bases de Bélix, estime, il fait des bagages extraordinaires, il fait limiter nous sur la carte du monde avec le tourisme, il fait le bicentenaire. Donc, estimé, allez, c'est parmi trois plus gros présidents, nous passons Salomon, Antoine Simon ici. Trois présidents sous 60, nous passons moi. Monsieur Kony, pas venu là pour faire miracle. Il va combattre ton magique toi-même. Monsieur Kony, il a une seule mission, restaurer l'autorité de l'État et organiser l'élection libre, honnête, démocratique, inclusive. Dans un délai raisonnable, nous débattons pas avec moi. Madame Elsa Pascal, tout le fait en 13 mois, dans des situations qui sont plus bonnes que ça. Monsieur Kony, décidé, déterminé pour délivrer des élections dans 20 mois et le 7 février 2026, il va gagner un nouveau pouvoir qui va le colter au pouvoir. De développement de la République d'Haïti. Explication sur décision ça pour réduire taille gouvernement. Donc, pas besoin au gouvernement qui a 50, ou pas besoin de secrétaire d'État, ou pas besoin de chargé de mission. Tu as besoin de citoyens honnêtes, responsables et compétents. Et puis qui gagne une certaine représentativité régionale. Donc, nous avons 3 grandes régions, 10 départements géographiques. Il y a le Marien, de la Tortue à Mancini, il y a le Zaragoa de la Tibonite, rivé jusqu'à Pédernal, jusqu'aux Ziwa. Ensuite, il y a la Maguana, qui c'est plateau central, qui c'est la plaque tournante, côté que le relie tout département ensemble. Il n'y a pas de lui-même. Il nous dit que nous avons ouvert les ports au commerce international, port AP, indépendant, commune AP, indépendant, l'une de l'autre et à autonome. Et le SAR, APN pour aller équiper pour eux, il a mis des infrastructures, il a mis des poubelles, et gestion pour eux, il a fait une gestion mixte, PPP avec
participation des collectivités territoriales. La commune est autonome, afin de communes pas capable moins cap nettoyer fadra, ça suspend. Donc faut commune yo capable prendre soin tête yo pour commune yo et l'unité. Moun qui a fait développement tout parce que le développement est local d'abord avant d'être national. Donc ça c'est plan Koni, Dr. Gary Koni. Et oui, c'est le programme de M. Koni. Donc il n'y a pas qu'à dans toute bagaille, il n'y a pas qu'à le temps d'ubiquité. Donc la fête, ça le pour le faire. Établir l'autorité de l'État sur tout l'état du territoire, récupérer les territoires perdus, permettre que le 23 juillet au Mounal Saint-Anne, Tomazo, permettre que Mounal Saint-Pierre, en mois de juin, permettre que Mounal et Mont-Carmel, en Sodo, permettre que Mounal et Tigouave et Wanamed et au Cap le 15 août. Nous pas bien ambitieux. Premier ministre Galconi, arrêté sous ça en ce qui concerne formation gouvernement, c'est 11 ministères qui ont gagné. Nous pas bien 18 ministères, nous pas bien 18. Nous n'avons pas bien 18, d'après moi. Et le ministère, c'est budget d'Ivoire. C'est une bonne histoire. Le premier ministre a un problème pour suivre la portée. Police secrète. Tout le premier ministre, il ne va pas faire ça. Le ministre de la Justice gagne 15 millions chaque mois. Police secrète, il ne va pas. Le ministre de l'Intérieur gagne même 20 millions. Donc, propre ça, il va développer la police nationale. Comment avancer en ce qui concerne la formation gouvernement? Est-ce qu'il y a des batailles qui sont déjà entamées entre CP et le premier ministre à Galerie? Gouvernement, c'est pour plus vite là, laisse à Ultimouin. Quand il y a des grands box, ma peau et Haïti, il y a 5 ministères qui ne sont pas négociables, les affaires étrangères, les finances, la sécurité, la justice, les collectivités territoriales. Donc, ministère ça, après, tous les autres ministères sont sur la table et les partis représentés au conseil du gouvernement vont présenter deux mondes côté qu'il y a sélectionné une année pour faire ministre. Et c'est la question axée sur les résultats. Pourquoi pas les résultats tombés? Donc, pas de conduction, c'est le monde qui était dans l'équipe Ariel Henry, pas gagné. Nous avons tellement de ressources, tellement de talent que nous n'avons pas besoin de reconduction. Ok, on m'a dit oui, mettez le gaz pour l'autre. Voilà. Vous attendez? Vous attendez? Il y a une confusion dans l'année 2026 pour le président élu à prêter serment avec dernière déclaration. Président Conseil Présidentiel Transition, hein, Edgar Leblanc fils, qui bouche ou bien chapé, ou bien gon erreur de chiffre qui avance 2027. Gen téléspectateur qui flou, qui ouè flou dans déclaration ça. Et jodi a nous kwè gagnen plus explication à partir de intervention yon monsieur qui pral fait partie de cabinet premier ministre là qui c'est Philippe et Philippe lui-même qui pral fait partie de cabinet premier ministre là, Philippe Vixamar sous tendez qui était intervenu là sur onde radio métropole et sous question ça. Alors nous pral dans intervention président conseil présidentiel là Edgar Leblanc fils on pral tendez peut-être qui mission premier ministre a gagné dans quelques poussières secondes et en même temps comment tu parlé de 2027 écoutez ça. Le problème de l'insécurité et également redresser l'économie du pays, réformer les institutions et arriver aux élections crédibles, démocratiques, libres à la fin de 2025 de manière à ce que le mandat de la transition qui se termine le 7 février 2027, soit rempli. Nous souhaitons donc au Conseil présidentiel et au Premier ministre Gary Koni succès. Si femme yo même yo pral devant Primati, syndicat national enseignant a dénoncé traitement ministre Nesmi Maniga, bon côté parle, t'a fait directeur gardien ak ménagère, mélange ak professeur, passé dans un programme Connex. Et yo même et Connex c'est comme ça programme ça li baptisé ak pose 4 yo qui pa joine frais fonctionnement pour l'école yo et l'école yo même a fonctionné à deux rangs dans yo Jean Créole là qu'on dit li yo t'a demandé pour PM Gary Koni faire un coup de jet sous l'éducation ak programme Connex là. Ou pral koute ça côté ou déjà Jean et intervention autres fait là li do ça pièce qui ouyé dans gaz ou metel pou la retirer ou avant pour recevoir avec lui
ou tout ouais que administration sac là a fait n'a pas demandé affaires étrangères pour aller à l'école ça a demandé l'autre poste Jean ça été séparation ça a été faite après départ Claude Joseph Farina semblait pas ni même sac ni même marque écoutez professeur yo qui a réagi content pour que nous capables de rejoindre et la presse aujourd'hui pour que nous capables de parler autour de l'éducation en Haïti. Nous sommes le syndicat national des enseignants d'Haïti et nous en quelque sorte gagné un pile jour là, nous traversé des moments difficiles, surtout avec l'administration actuelle ministre éducation. Donc, je dis, on a parlé plus pour deux programmes qui gagnent dans le ministère de l'Éducation nationale. Programme ça, qui a un rapport avec Timoun, qui est vulnérable. Timoun, qui est trouvé dans un lieu qui est reculé. Programme ça, c'est un yore les pronet et un yore les postgrat. Donc, programme ça, le ministère de l'Éducation nationale mène à travers des contrats. Côté qu'il y a aussi des contrats chaque année avec des enseignants, avec les directeurs d'école, et ils ont payé gardien tout à travers le programme ça. Mes amis, et nous va saisir de ça. Pour année ça, pendant l'administration ministre Nesmi Maniga, il y a 2 ans, il n'y a pas payé professeur ça. Et dans 10 départements, il y a 3 départements qui ont payé à date que nous avons parlé là. Dans 3 départements, ça, c'est le département l'Ouest qui ont payé, mais c'est un mot sous pirole. Département actif, ils ont payé département Grandos et département Sud. Maintenant, chaque département, ça, le ministère de l'Éducation nationale, il y a une quantité de gens qui ont payé. Par exemple, nous gagnons dans le sud, il y a près de 38 moun yo pa payé dans le programme dans l'année ça, dans mon sous-pirole que vous faites. Nous gagnons dans le département l'Ouest, il y a environ 42 moun yo pa payé. Et une quantité moun yo pa payé dans la grande danse aussi. Ça veut dire que c'est un mot sous-pirole. Dans 3 départements yo payé. Cependant, gagnons 7 départements qui peuvent qu'on toucher. C'est vrai. Et FNE te dit que yo alimenter compte pour département Nord-Est avec NIP. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a moun yo beaucoup de jeunes chèques là. Eh bien, il y a 5 départements qui étaient. Nous avons département Nord, yo pour payer, département Altibonite, il y a plateau central, il y a département Sud yo pour payer, et puis il y a département Nord-Ouest qui yo pour payer. Donc, nous baille conférence de presse ça aujourd'hui, syndicat national là, c'est pour nous capables avertir actuel premier ministre qui est établi dans le pays là, pour nous dire OK, nous pas un bon souvenir de ministre Nesmi Maniga. Pour nous dire que professeur Sayo qui dans salle de classe qui a payé un contrat chaque année, il a passé 2 ans, 3 ans au pas payé yo, moun sa aussi moun yo et tout. Moun sa ou besoin manger. Moun sa yo besoin bre, et moun sa yo gen famille, yo gen timoun, yo gen madame pour yo prendre soin. Donc, n'a profité occasion ça pour nous voyer message by nouveau ministre de l'Éducation nationale qui vient pour venir dans le pays. Pour nous dire que enseignant contractuel pose grat pour nous, yo va faire toute vie en enseignant contrat. Donc, gen programme ça qui lancé depuis vers l'année 2012. Eh bien, chaque année, à date ce contrat, mon sa yop signé. Eh bien, nous voulons dire, ministre, année, ça, c'est dernière année. Eh bien, professeur, ça, yop même, yop pas signé contrat encore. C'est pour yop faire en sorte que yop nommé professeur yop pour que yop capable de salaire régulier et que condition la vie yop capable d'améliorer. Donc, c'est un cri nous fait à diaspora, qui a payé $50. Yop. Nous faisons un cri à toute population pour yop connaître que. Eh bien, l'école là, mon professionnel qui travaille dans le domaine de l'éducation, mon ça aussi des gens qui abandonné. Et nous allons comprendre, si je dis, le pays est arrivé dans une phase, côté que nous avons un niveau d'insécurité, c'est parce que l'école là est banalisée. Mais encore aujourd'hui, elle continue à banaliser plus. Donc, de ce fait, nous lançons un message par le Premier ministre
Gary Conning, pour nous dire, pour vous ronger sur l'éducation. Ou pas qu'à ignorer l'éducation dans le pays, l'offre de faire réforme. Donc, année ça, professeur, vous avez besoin de 4 tout. Vous avez besoin d'une augmentation de salaire. Parce que, le ministre Nessie Maninga n'a jamais amélioré les conditions. Salta paye moun yo. Yon contrat que y a payé moun yo 15 000 goud. Y a payé moun yo 15 000 goud yo payé chaque année. Donc, nous relè amre, nous te le fè kri sa yo diya pour que nous lancions alerte non seulement à premier ministre, lan, mais nous lancions alerte sa à nouveau ministre de l'éducation nationale qui vient pour venir pour nous dire que fok ou chita avec syndicat qui a fonctionné dans l'éducation pour qu'on ait vrai problème yo. Parce que si moun ki nan zone rekile yo, yo même yo pa jwenn éducation. Gen yon frais de fonctionnement, yo ta dwe bay nan programme ça. Nan programme postgrad et ponèk. Frais de fonctionnement ça, eh bien gen département ki nan 3 ans depuis ou pa bay li. Gen département, c'est skont moun nan pou directeur l'école obligé pran pour acheter crè. Parce que pa gen crè, gen l'école ki pa gen tableau, pa gen banc. Cependant bon frais nèg yo ki supposé bay chaque année pour alimenter l'école yo en matériel. Donc comme ça yo nous pas joine yo. Donc yo pas bay frais de gratuité ya. Ça c'est pour tout pays ya comme ça. Ça veut dire l'école yo pas gagné tableau, y a l'école même bon pas gagné. Même cré pas gagné pour fonctionner. Donc ça veut dire c'est une situation qui lamentable et pendant monsieur a parlé grand français pendant version sou yo. Donc chaque lè gen 18 mai bon occasion yo montrer que gon bagay sérieux, eh ben nous te vle faire grand public la konnen. L'école la presque écrasée en Haïti parce que l'argent qui t'a doué alimenter l'école là, li fait route pas bois. Dossier immigrant qui coincé dans frontière Haïti, dans frontière Mexique avec les États-Unis d'Amérique. Président américain Joe Biden a annoncé li fait restriction sur mesure accès que le bayo et li réduit nan accès pour rejoindre asile en tant que migrant. Si la yo qui traverse illégalement frontière Mexique pour rentrer aux États-Unis, pap ka jwenn asile à partir de mardi 4 juin 2024 à minuit. Si le minuit jou mardi 4 juin an, ou pral rentrer dans 5 juin, pap gen asile pour si la yo qui traverse illégalement. Président américain Joe Biden, Jean lui-même li t'a présenté annonce ça, il t'a montré que c'est une décision li prend contre lui par faute que dossier li gagne dans Congrès a, li pas joine passage et obligé rapide presto prendre une décision pareille vu que dossier question migrant yo pral fait poids dans débat dans cadre campagne qui pral mener pour renouvellement la présidence depuis les États-Unis d'Amérique. Respecter Brexit. C'est ça que fait. Nous toujours à rappeler mon yo, nous toujours à voyons pinga, bah que c'est président, que c'est premier ministre, nous toujours à rappeler que quand tu vas respecter, c'est pas un cadeau que y a fait non, c'est pas œuvre que y a fait non. Son droit que constitution ben nous pour nous intégrer à l'administration publique. Et c'est ça que fait tout le monde dit dans l'opté de presse que nous faisons aujourd'hui. Nous dit que yon gouvernement, yon société qui pas gagné femme qui a dirigé là dans beaucoup de garçons, son société sans nom. Donc si on a été respecté, nous n'avons pas besoin pour nous faire ça, nous avons automatiquement passé à autre chose. Parce que à l'heure qu'il est, nous pas qu'à seulement chita la main de côté à côté à côté, nous pas qu'à être nous faire. Donc si moun yo, moun qui n'a pas été payé, depuis ce côté, on va respecter, donc on n'a pas qu'à travailler, on n'a pas qu'à faire nous-mêmes. Donc ça veut dire que nous, les politiciens, nous n'avons pas fait place du tout pour les femmes. Et les femmes, c'est potomite en société. Nous représentons 52% de la population. Donc nous, levez voix, nous, petit Jean Piro, pour nous faire connaître que nous tendez, l'idée, le travail avec les femmes et la jeunesse, nous prenons note et nous veillons tout à ce que le quota 30% les respecter dans tout gouvernement qui va monter là. Le changement qui va le faire au niveau de mairie, le changement qui va le faire au niveau de direction générale, de organisme déconcentré, même en de diplomatie.
Si nous avons continué à parler, si nous avons continué à défendre les droits de famille, si nous avons continué à parler en moins dans les oreilles du conseil présidentiel qui là, nous avons continué à parler en moins dans les oreilles du premier ministre qui là pour nous dire que le quota 30%. Relan mwen nan tout kon nou. Gen kote nan kon nou, fè ou fè silans. E wap pou e gason wap koube, tan kon ti Jezi nan pou krab. Vwa pa mse la lan Fritz, ki tap informo pou HPM. Au revoir.